Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Semaine Éco. L'ensemble de l'équipe de la Semaine Éco vous propose chaque semaine un thème d'actualité lié à l'actualité économique, mais aussi lié à des sujets qui vous intéressent, qui vous interpellent. Ce soir, on vous parle de votre pouvoir d'achat et de cette augmentation effrénée des prix de produits de large consommation. Alors, des produits qui soient importés ou produits ou cultivés en Algérie, les prix ont énormément augmenté, notamment depuis le début de l'année 2016. Et on se pose ce soir la question si nous sommes dans un rythme d'inflation qui va en augmentant. Les chiffres de l'Office national des statistiques récemment communiqués annoncent pourtant un rythme d'inflation pour les trois premiers mois de cette année par rapport à l'année dernière, tempéré 4,7%. Pourtant, ce qui est ressenti sur les étalages, dans les marchés, est tout autrement différent. Est-ce que les prix pourraient augmenter davantage et surtout, quelle incidence cela aura-t-il sur votre pouvoir d'achat et sur l'activité économique nationale? Nos invités sont là pour vous éclairer. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Monsieur Nour Hassan, vous représentez les consommateurs ce soir. Vous êtes le vice-président de la Fédération algérienne des consommateurs. Merci d'être avec nous. Monsieur Bouchret Abdelkader, vous représentez les commerçants et artisans. Vous êtes le secrétaire national chargé d'administration au niveau de l'UGCA, qui est l'Union générale des commerçants et artisans algériens. Merci d'être avec nous. Monsieur Mohamed Chérif Belmihoub, merci d'avoir encore une fois accepté l'invitation de la Semaine Éco. Je rappelle que vous êtes professeur en économie. Avant d'entamer ce débat, je vous propose d'aller sur le terrain et de récolter ou d'écouter les interviews qu'a récoltées pour nous Bouchra Bouali, la température sur les marchés de ce pouvoir d'achat qui est de plus en plus malmené, en dépit, je le disais, des chiffres officiels communiqués par l'ONS du rythme d'inflation. Le reportage est de Bouchra Bouali. Sur les étals des marchés ou dans les grandes surfaces, c'est l'envolée des prix. Les consommateurs sont unanimes. Les prix des produits de large consommation ont sensiblement augmenté. C'est énorme, c'est excessif. C'est une augmentation vraiment excessive. Le prix à le petit pain, le pain va à Mahabouyakatou. Je fais 3 fois, 4 fois le tour du marché pour voir où je trouverai quelque chose qui s'aligne à la fois moins cher, à la portée de ma bourse, et quand même avec une qualité pas à résister. Mais c'est très difficile actuellement de s'en sortir. Effectivement, il y a eu des augmentations d'un certain nombre de produits de large consommation. On peut citer le lait en poudre, on peut citer le... Bon, c'est pratiquement les prix qui sont importés. Hein. Pour le consommateur, les produits locaux n'ont pas été épargnés par la flambée des prix. Par exemple, Djadja chaque semaine, ou là, avec Djadja, avec le Djadja chaque 2-3 semaines. Alors, parce que le Djadja qui m'a dit le Djadja, il y a ma belle chaîne, ou là, il y a des gens qui ont encore le consommant local. Voilà, Djadja, nous avons le Khaled. Djadja, nous avons le 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 Djadja. Par exemple, les fruits et les légumes, c'est vraiment excessivement cher. Les oranges sont produits neufs d'ailleurs, quand même, 24 000, 20 000, quand même. Selon les chiffres du ministère du Commerce, à part un ou deux produits qui ont connu une forte hausse, comme l'ail local avec plus de 72%, les autres produits n'ont pas connu une augmentation significative. La pomme de terre, par exemple, a baissé de près de 49%. Et la tomate de moins de 36%. Il ne faut pas qu'ils se fixent sur un ou deux produits parce qu'ils ont connu une hausse que tout est ça. Non. Il faut voir la gamme, le panier, comme on dit. Il faut voir le panier parce qu'il y a certains qui baissent, d'autres qui augmentent. Et l'année prochaine, ça peut être l'inverse.
les prix qui ont connu une hausse vont baisser et ceux qui ont connu une baisse vont augmenter l'année prochaine. Pour une petite bourse, elle est très importante quand même. Parce que ce qui, ils ont augmenté les salaires et en même temps, ils ont augmenté les prix de tout. Si on prend des produits importés pour lesquels l'Algérie en dépend, là c'est autre chose. À titre d'exemple, nous avons dépassé, ils ont augmenté de 24%. Les produits qui sont importés, effectivement, pour le pétrole augmente, nous avons connu la crise de 2008. 2011, nous avons connu la crise de 2011. Donc ça, c'est de l'inflation, comme dit les spécialistes, c'est de l'inflation importée. On importe un produit, donc on importe l'inflation avec eux. Et mais quand le prix du pétrole baisse, automatiquement, ces produits que nous importons, ils baissent encore. Mais là, c'est pas par rapport au soja. Si, le soja, il a baissé. Le soja, c'est la matière première pour produire l'huile brute, l'huile que nous consommons. Avec des cours de pétrole en baisse, les prix des produits de large consommation importés auraient dû baisser. Mais ce n'est pas le cas. Selon les experts, les nouvelles mesures censées limiter les importations y sont pour beaucoup, sans compter la spéculation. On a vu à travers donc ce reportage que plusieurs questions sont posées à travers les interviews que Boussala Bouhari a réalisées dans ce reportage. Alors parmi ces questions, et peut-être celle qui nous interpelle le plus, c'est justement cette augmentation graduelle des prix des produits qui ne sont pas importés, qui sont produits chez nous. On a très longtemps parlé d'inflation importée. Là, nous sommes sur des augmentations de prix de produits qui sont fabriqués chez nous. Est-ce que c'est l'effet de la spéculation ou bien est-ce que c'est l'effet de la crise ? Bah, je crois que c'est les deux. D'abord, bonsoir. Et puis, je me permets de prendre la parole directement comme ça. Je crois que c'est les deux en même temps, parce qu'il y a une crise qui engendre une spéculation qui devient systématique chez certains commerçants. Voilà, donc, à la fin, c'est le consommateur qui paye et la crise et la spéculation et les mauvais comportements de certains commerçants qui profitent de ces situations pour, je dirais, gagner plus vite beaucoup d'argent. Ça, c'est ce que justement, nous dénonçons, nous, donc, aux associations des consommateurs. C'est d'ailleurs la phrase qui revient toujours dans la bouche des vendeurs, c'est « tout a augmenté, donc pourquoi mes produits ne vont-ils pas augmenter aussi ?» C'est un peu la réponse qui est servie aux citoyens qui... Ben absolument, parce que maintenant, le consommateur, en Algérie, on commence à travertir, on commence à connaître ses droits, c'est déjà une bonne chose. Donc, il cherche, donc on a bien entendu le monsieur qui dit « il fait d'abord 2-3 fois le tour du marché pour voir un petit peu comment ça se présente. » Et puis c'est avec ça qu'on a maintenant une écoute donc, à tout ce qui est pris. Même on a certains consommateurs qui disent que pourquoi à l'étranger il y a tel produit qui a baissé de prix et pas en Algérie, qui continue toujours à grimper. Mmh. Et pourquoi cette crise dont on dit qu'il ne devait, toucher nos produits de consommation que de quelques pourcents, mais quand on va au marché on trouve du 30, 40, 50%, parfois du 100%. Et voilà, donc il y a aussi le problème qu'on avait toujours, dénoncer, c'est la régulation du marché. Quand il n'y a pas une régulation, ça veut dire qu'il y a des saisons où on paye pas cher, il y a des saisons où on paye trop cher. Mmh. Donc c'est en dents de scie. Exactement. Donc, quand on va au marché le matin, on peut trouver aujourd'hui un produit qui est à 20 dinars, donc l'autre semaine c'est à 40-50 dinars. Donc ailleurs, des produits qui augmentent de 5 à 10%, mais chez nous ça va du 50 à 100%. Mm-hmm. Voilà ce qui dérange et ce qui gêne le plus la consommation et le cadre de consommation en Algérie. Non, mais je l'ai fait, Benihoub, c'est spéculation ou crise ? Je pense qu'il faut distinguer entre deux types de produits. Il y a des produits frais. C'est un phénomène en Algérie depuis très longtemps, c'est pas nouveau. La fluctuation des prix des produits frais est devenue incontrôlable et elle a beaucoup de spéculation. Et depuis plusieurs années, on n'arrive pas à organiser la chaîne commerciale. Donc il y a une spéculation en différentes étapes. Ça, c'est pour les produits frais. Hein. C'est vraiment des pics incroyables. Maintenant, les produits transformés, là, c'est un peu... c'est nouveau, hein. C'est pour cette année particulièrement. Parce qu'il faut dire que les produits transformés en Algérie, dans toutes les filières, elles sont... impactés par les importations. Nous importons dans toutes les filières des matières premières. Mmh. Alors combien même, pour mieux comprendre, quand même le produit est fabriqué dans des usines algériennes, oui. Il est tributaire d'importation. Nous avons des cas où 70% de la valeur du bien est importée. Les 30% sont locales en termes de salaire, en termes d'ajout, en termes d'énergie. Mais on subit les 70% des produits importés
70%, c'est peut-être le maximum. On a des cas de 30%, etc. Mm-hmm. Parallèlement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, certains produits alimentaires ont baissé ces dernières années. Produits alimentaires, matières premières essentiellement, sur les marchés internationaux. Et c'est ça qui a atténué un peu cette augmentation cette année sur le plan local, parce qu'avec la dépréciation du dinar, on aurait eu une augmentation plus grande. Ça aurait été pire. Ça aurait été pire. Mm-hmm. Mais on a profité, heureusement d'ailleurs, que les produits ont baissé sur les bourses étrangères, mm-hmm. les bourses des matières premières. Justement. Ça a atténué un peu. Mais aujourd'hui, il y a une tendance à l'augmentation de ces mêmes produits à l'international, mm-hmm. et une dépréciation du dinar parallèle. On va voir le cumul des deux, c'est-à-dire l'importation, l'inflation importée, mm-hmm. aggravée par le taux de change. Parce qu'aujourd'hui, la banque d'Algérie manipule le taux de change pour des raisons évidentes. Hein. Ce n'est pas une volonté d'augmenter, non, absolument pas, mais parce qu'il y a un déficit. On va parler justement de la parité et aussi du fait qu'il y ait parfois une déconnexion entre les prix de la matière première sur le marché international et les prix qui sont pratiqués en Algérie. Le représentant des commerçants a certainement une idée aussi sur la question de dire si les commerçants font plus de la spéculation ou bien sont-ils eux aussi victimes d'une situation où ils sont obligés d'augmenter leurs prix? Merci. Je pense que la spéculation il se fait à un certain niveau. Ce n'est pas le commerçant du coin ou le détaillant qui fait la spéculation. Oui. Il y a toujours des gens qui essayent de maîtriser le marché au niveau national. Mm-hmm. Parce qu'on n'arrive pas jusqu'à présent à maîtriser ni la production, ni la distribution, ni on n'arrive pas à réguler le marché. On n'a pas mis les moyens nécessaires pour réguler le marché au niveau national. Et reste. Vous voulez dire que les détaillants sont aussi victimes d'une spéculation au niveau en amont, c'est ça? Bien sûr, les détaillants sont victimes de la spéculation. Il y a toujours une certaine classe qui essaie de prendre le monopole de tous les produits au niveau national, même sont dans l'informel. C'est-à-dire, ils n'ont même pas un registre de commerce sur tous les produits frais, les produits agricoles. Ils essaient toujours, en ce qui concerne les fruits et légumes, c'est des gens qui sont derrière, qui essaient de maîtriser le marché. Ils n'ont même pas le registre de commerce. Mm-hmm. C'est eux qui essaient de réguler le marché à leur manière. C'est-à-dire, il y a un monopole quelque part qui échappe à l'État. Je pense qu'on doit mettre les moyens pour contrôler d'abord la production nationale et mettre les moyens nécessaires pour la distribution. Mais c'est quand même étonnant que ça fait des années qu'on parle de ce monopole, du diktat de ces grossistes, on va dire, que les produits frais, puisqu'on parle de produits frais où les augmentations de prix sont les plus injustifiées, on va dire, ça fait des années et pourtant les associations, les personnes qui sont en charge d'être l'interface des pouvoirs publics n'ont pas réussi finalement à asseoir un système de régulation pour... Ça revient toujours à l'organisation. Quand vous avez un producteur et en face de lui, il n'y a pas une organisation de la distribution. C'est ça. Il a des gens qui viennent acheter chez lui en position de force. Ils sont en position de domination sur le producteur qui, lui, ne peut pas garder sa marchandise longtemps. Produits périssables, problème de stockage. Mm-hmm. Donc, il accepte de céder parfois à des prix raisonnables, rémunérateurs. Et l'autre profite justement pour surfacturer. Il prend plus que sa marge pour le détaillant et le demi-gros. Parce qu'on n'a pas organisé cette filière agricole en Algérie. On n'a pas de coopérative, par exemple. Les producteurs entre eux aussi, c'est leur faute aussi. Il ne faut pas croire que l'État doit leur mettre en place des dispositions. Les producteurs entre eux n'ont pas pris conscience de cet enjeu pour mettre en place des coopératives de commercialisation. Mm-hmm. Et quand ils sont coopératives, d'abord, ils peuvent avoir des capacités de stockage en commun. C'est pas l'affaire d'une seule personne. Mm-hmm. Ils vont investir collectivement sur des capacités de stockage, sur des capacités de transport, sur la régulation grâce à leur coopérative. Et ils sont actionnaires de cette coopérative. À ce moment-là, ils peuvent agir en force. Ils peuvent contrôler le prix. Le prix de vente. Négocier de bons prix. Mm-hmm. D'abord, pour qu'ils soient correctement rémunérés, parce que notre paysannerie est en train de s'appauvrir.
Et là, il faut lui garantir un revenu qui lui permet de rester et d'investir sur la terre. Parce que là, on risque de ne pas d'aller toujours dans les cultures spéculatives. Oui. Chaque année, on change, on ne capitalise pas. Donc, c'est une question d'organisation du circuit de distribution. Mm-hmm. L'État doit inciter, encourager, mais c'est pas l'État qui doit mettre encore, on va pas revenir à l'OFLA au dirigisme. Absolument. On est dans une logique de... Oui, mais quand même, on doit installer des structures de distribution. Ça a été bien dit par un professeur. C'est qu'en Algérie, maintenant, on est en absence d'un réseau de distribution. On ne peut pas... C'est-à-dire, on a une Algérie qui est assez grande, un grand pays. On peut produire des produits agricoles à l'Oued qu'on ne peut pas produire à Béchar ou à Oran. Et malheureusement, à l'Oued, on les jette, on les enterre. Et on n'arrive pas à le consommer à Béchar ou à Oran ou à Tlemcen. Donc ça, c'est un grave problème de consommation. Et je vous dirais qu'on a encore des années qui vont venir, c'est-à-dire de vie, de cette situation qui est un petit peu gênante pour le cadre de la consommation. On n'a pas de marché de gros, on n'a pas de centrale de distribution. Même les projets qui ont été initiés par le ministère du Commerce, il y a ceux qui sont réalisés mais qui ne sont pas ouverts. Il y a des projets de marché de gros qui ont été engagés il n'y a pas longtemps. Les structures ont été faites, mais... Il y a 9 projets, voilà. Un ou deux qui sont réalisés mais qui ne sont pas encore fonctionnels. Mm-hmm. Il y a plusieurs marchés de proximité qui sont malheureusement réalisés ou envisagés d'être réalisés dans des zones qui dérangent et les consommateurs et les commerçants. Même au niveau... viande, donc les abattoirs ne sont toujours pas réalisés, donc ne sont pas toujours fonctionnels. Les marchés de poissons, donc les alamarés qui sont prévus sur nos ports de pêche pour réguler le marché de poissons, pour permettre à tous les Algériens au moins de consommer régulièrement ce produit ô combien nécessaire à la santé humaine. À un prix Donc ces projets, il n'y en a que 3 ou 4 qui sont réalisés, qui ne sont pas encore fonctionnels, mm-hmm. malheureusement. Donc je dirais que. Et il y a aussi les hypermarchés. Donc, à ce jour, l'Algérie n'a que 5 ou 6 hypermarchés dignes de ce nom, alors qu'il nous faudrait au moins 5 ou 6 pour les grandes villes, un pour donc, les villes d'intérieur. Et donc, tout ça fait que nous vivons toujours dans l'informel, que ce soit la production. Donc, responsabilité conjointe des opérateurs, c'est-à-dire agriculteurs, producteurs, et aussi de l'État en termes de régulation, on va dire. Mais pour ce qui est, justement, je reviens à la question dont vous parlez tout à l'heure, Mohamed Chilou Ben Mihoub, les matières premières sur le marché international ont baissé. C'est généralement un phénomène qui intervient lorsque les prix du baril baissent. C'est une lecture. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il y a une surproduction aussi dans certains pays. Qui a concouru à la baisse des prix de la matière première. Donc comment se fait-il lorsqu'on parle de production où les intrants sont largement importés, comment se fait-il que les produits quand même coûtent cher en Algérie? Oui, là c'est un phénomène aussi, j'allais dire, algérien. La répercussion des baisses des prix sur les matières premières, sur les marchés internationaux ne se fait pas automatiquement sur le marché national. Parce que là il y a des positions dominantes, certains grossistes, certains importateurs aussi, qui ne répercutent pas cette ils ont leur tarif à eux. En gros, ils achètent à un prix sur le marché international et gardent un tarif pour l'Algérie. Oui, parce que là, c'est autant il y a une concurrence sur la distribution de détail en Algérie. Heureusement, aujourd'hui, il y a une concurrence qui joue son rôle parce qu'on a besoin d'une concurrence. Il n'y a pas d'économie de marché s'il n'y a pas de concurrence. Autant revenir à l'économie administrée. Par contre, la concurrence sur le niveau des importateurs, elle n'est pas assez forte. Et je pense qu'il y a un lobbying. Il y a un lobbying, il y a des captures de rente, il y a des importateurs qui ont des niches protégées. Et on ne permet pas quelqu'un qui arrive d'aller sur cette niche. Et je pense que c'est ça le rôle aussi justement de l'État, de l'administration. C'est de vérifier les positions monopolistiques. De vérifier les positions. C'est des encourager les ententes sur le dos du consommateur. Oui, c'est des ententes commerciales entre, dans le lobby, comme vous l'avez dit, entre importateurs et producteurs, parce qu'il y a là 40 millions d'Algériens qui consomment et qui n'ont pas le choix. Et eux, ils ont le monopole de faire la distribution et l'approvisionnement de ces 40 millions. Ils font ce qu'ils veulent. Ça diminue à la
l'achat, mais ça ne diminue jamais la vente. Et mais justement, vous touchez le cœur du problème, vous ne citez pas ces types de produits. Quels sont ces produits qui sont objets de monopole C'est des intrants dans l'agroalimentaire. Et surtout, des produits de large consommation. Non, on parle de matières premières. On parlait de grossistes. Oui, hein, ce sont des grossistes, plutôt importateurs de matières premières. Par exemple, la poudre de lait. Les prix ont beaucoup baissé. Même si on a l'office l'ONIL qui essaye de réguler, il y a les produits... Qui n'est pas la seule à importer. Qui n'est pas la seule, absolument. Il y a des importateurs directs. Il y a les produits sur les légumes secs. Ça aussi, c'est une position assez importante aujourd'hui. Mmh. Il y a les produits de laitage, enfin des matières premières qu'on utilise pour le laitage, les colorants, etc. etc. Ça, c'est des volumes assez importants. Mmh. C'est à ce niveau-là que la régulation ne se fait pas. C'est vrai, quand ils rentrent sur le territoire national, ils présentent une facture d'achat, ils payent des droits de douane, etc. etc. Mm-hmm. Mais la douane ne peut pas suivre l'évolution des marchés internationaux. Mm-hmm. Mais un organisme comme celui de l'ONIL, par exemple, lui, il a l'évolution des marchés internationaux. Mm-hmm. Il peut servir de référence pour les produits d'importation. Et à ce moment-là, le Conseil de la concurrence peut intervenir parce que il y a les marges. Les marges sont déterminées, c'est-à-dire qu'on n'a pas une liberté des prix, oui. Mais les marges sont plus ou moins plafonnées. Sont plafonnées, absolument. Mm-hmm. Et là, un organisme comme l'ONU peut donner, l'OIC, pour les céréales par exemple, mm-hmm. pour les légumes secs, peut aider justement à connaître les marchés des produits. C'est des bourses. Hein. Et puis il y a des achats à terme aussi. Hein. On achète à l'avance, etc. Mmh. Donc des organismes comme ceux-là, qui sont publics, qui sont chargés de la régulation, mais la régulation aussi, c'est organiser la concurrence. Mmh. Et non pas suppléer chaque fois qu'il y a un déficit. Mmh. Et je pense qu'il faut mettre en place, aujourd'hui c'est le rôle du ministère du Commerce, un observatoire qui va être en mesure de suivre l'évolution des marchés à l'international et intervenir avec... Et vérifier que les prix soient répercutés. Voilà, et qu'on n'a pas abusé sur les marges. Mmh. Et stimuler la concurrence. Si on a plusieurs concurrents sur le même produit qui sont importateurs, oui. À un moment donné, c'est le marché. C'est quand même difficile de demander aujourd'hui au ministère du Commerce de faire ça, parce qu'il est dans une logique de rigueur d'importation. Non, l'observatoire, on ne demande pas d'importer. Oui. Non, vous parlez de concurrence, c'est-à-dire diversifier finalement les personnes qui vont être encouragées. Encouragées, parce que parfois on empêche les gens d'être importateurs parce qu'il y a un lobby qui les empêche. Et oui. L'administration est peut-être parfois au service de ces lobbies. Justement, il est intéressant de savoir au niveau, par rapport aux commerçants. À quel point les commerçants aujourd'hui sont-ils victimes puisque là on parle de lobby de produits, de lobby d'importateurs de matières premières. À quel point les commerçants aujourd'hui sont victimes et quels sont les secteurs qui sont visés par ce lobby plutôt? Moi j'ai dit tout à l'heure, les lobbies ils ont visé les produits de large consommation. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le commerçant, c'est comme le consommateur, il est victime du monopole, de certaines couches qui essaient de prendre le monopole sur tous les produits, soit local, soit importé. Mm-hmm. Je pense qu'il est temps actuellement en Algérie de libérer un petit peu pour enlever le monopole sur la majorité de produits, surtout de large consommation. Il faut commencer à produire en Algérie. Donc cette notre alimentation, elle dépend toujours des bateaux. C'est-à-dire le monopole. J'ai dit tout à l'heure, c'est même le produit local, il y a soit du produit agricole, soit du produit alimentaire. Alimentaire, il y a toujours des lobbies qui essayent de prendre le monopole de produits et de distribuer et de réguler le marché à sa manière. Et de prendre le monopole sur quels sont justement les secteurs qui sont visés par ce monopole? Vous parlez en général, mais moi, un exemple. Parlé sur de large consommation, je peux vous citer l'huile, je peux vous citer le sucre, je peux vous citer les légumes secs. Il y a un monopole.
même même le produit produit localement, il y a toujours un monopole, soit disons les entreprises familiales, c'est toujours c'est-à-dire le produit avant d'arriver au commerçant, au détaillant, il passe par 3-4 étapes, oui. C'est-à-dire il y a 3-4 étapes intermédiaires, alors que c'est-à-dire 4 fois le, c'est-à-dire 4 ou 5 fois la marge. Mm-hmm. C'est-à-dire le dernier maillot de distribution qui est le commerçant, automatiquement il doit prendre sa marge, mm-hmm. Tout ça répercute sur j'ai une question qui est peut-être un peu plus pratique. Est-ce que c'est normal, est-ce que ça se passe en Algérie, je vous demande si ça se passe dans les autres pays, que les prix des produits, les augmentations augmentent de 5-10 dinars du jour au lendemain? Non. Est-ce que c'est quelque chose de normal, prix de produits et de services également, hein? Non, non. Aujourd'hui, 10 dinars ne semble pas faire la différence entre un prix et un autre. À l'unité, bien sûr. Mais quand il y a des quantités, ça évidemment, ça beaucoup sur la bourse, mm-hmm. Et sur le pouvoir d'achat des Algériens. Non, ce n'est pas du tout normal, je vous le dis. Parce que même s'il y a des augmentations qui sont prévues, on doit prendre des précautions pour les faire augmenter d'une manière très douce. Il ne faudrait pas graduel. Aussi graduel. Mm-hmm. Graduel. Et ça, c'est le problème que, justement, rencontrent à chaque fois les consommateurs du jour au lendemain, d'année en année, de mois en mois, de saison en saison. Est-ce que vous, en tant que fédération de protection des consommateurs, alertez les pouvoirs publics, ne serait-ce que se charger de la concurrence? On ne fait pas qu'alerter, mais on fait aussi des propositions. On est devenu une force de proposition. C'est pour ça qu'on est en train toujours de rechercher quelles sont les solutions. On sait que maintenant, on doit récupérer d'abord, on doit retrouver notre souveraineté en termes d'alimentation. Mmh. On ne peut pas continuer à importer du lait et des lentilles et des haricots, mmh. Et pour parler de protection des consommateurs. On doit parler de la protection des consommateurs de maintenant et de 2030-2050. Bien sûr, on continue toujours à parler des augmentations de prix qui sont dues à des fluctuations de prix à l'étranger. Parce qu'on n'est pas souverain. Parce qu'on importe toujours. Et c'est grave pour un pays de 2 milliards, de plus de 2 milliards de kilomètres carrés, avec les 4 saisons qu'on a, avec toutes les ressources qu'on a, on continue à importer le lait, le sucre, l'huile, les lentilles, les haricots. Enfin, il faut quand même rappeler que le secteur de l'agriculture a enregistré une croissance importante, en dépit, hein, on ne doit pas s'autosuffire de ça. C'est-à-dire, il faudrait demander qu'il y ait plus. Voilà le travail que fait la Fédération des consommateurs. On est tout le temps en train de courir derrière les autorités. On fait des propositions, on fait des projets, on fait des recherches. On a fait même un workshop avec des économistes pour essayer de trouver ensemble, tous ensemble, en tant qu'Algériens, en tant que d'agents pleins de bonne volonté, à trouver des solutions pour rebooster cette économie. Parce que l'impact, il est maintenant déjà grave, il deviendra encore plus grave à l'avenir si on continue avec cette politique. Mmh. On n'a pas un nombre suffisant de vaches pour produire notre lait. On n'a pas d'agriculture formé et averti. On n'a pas un plan de planification agricole pour savoir qu'est-ce qu'il nous faut pour cette Algérie, comme céréales, comme légumes, comme pommes de terre. Mm-hmm. Chacun fait ce qu'il veut, chacun plante ce qu'il veut. Cette année, on a eu beaucoup de pommes de terre, on a jeté. Après, on a pensé à l'exportation, alors que personne n'est formé pour ça. Le professeur a bien dit, il faudrait qu'il y ait des coopératives qui soient organisées pour qu'ils puissent d'abord savoir qu'est-ce qu'il faut produire, comment stocker et comment exporter. C'est qui va exporter? On n'a pas. Malheureusement, quand on exporte, les prix augmentent. C'est-à-dire chez nous en Algérie, c'est-à-dire ailleurs, quand un produit, quand on passe à l'exportation, ça veut dire qu'il y a un excédent, ça veut dire que le consommateur algérien, donc, il est satisfait. Oui. Et nous, c'est le contraire. On a commencé à exporter certaines fraises, elle est à 500 dinars le kilo. On a commencé à exporter la pomme de terre, elle a augmenté. Enfin, les exportations sont minimes, hein, c'est pas. Oui, mais malgré ça, c'est l'esprit, c'est dans l'esprit que ça se passe. C'est là, c'est là justement. Oui, mais encore une fois, il y va des opérateurs, c'est un choix libre. Hein, on est dans un marché libre, donc si les opérateurs décident d'exporter, on ne peut pas les en empêcher. Non, on doit faciliter l'acte d'investir. En Algérie, il est beaucoup plus facile d'importer que de produire. Donc, il faudrait qu'il y ait de la concurrence, comme a dit monsieur le professeur. Pour revenir à la question, on va essayer de revenir un peu plus tard vers la fin de l'émission sur des solutions qui sont très nombreuses et très intéressantes. Une augmentation de 10 dinars, 15 dinars sur un produit. Comment expliquer cela et comment se fait-il aujourd'hui les Algériens et normaliser une augmentation du jour au lendemain d'un tel niveau? D'abord, l'économie algérienne, comme je disais tout à l'heure et je maintiens, n'est pas une économie concurrentielle. C'est une économie qui s'apparente beaucoup plus à l'hydraulique, c'est-à-dire en stock. Les augmentations
Imagine l'énergie, par exemple. On a fixé le prix de l'électricité et du gaz pendant 20 ans, presque 20 ans, 15 ans. Et du jour au lendemain, on augmente de 17-20%, alors qu'on aurait pu augmenter progressivement. Là aussi, il y a une forme de violence, finalement, dans les prix. C'est cette pratique qui fait qu'on a cette tendance à laisser les choses, ne pas bouger, à fixer les choses. Et puis, quand on décide d'augmenter, on augmente de façon extrêmement violente. Ça, c'est d'une part. L'autre, du gasoil, l'essence. Ça va dans le même. L'autre phénomène qu'on observe, c'est que la valeur... Le pouvoir d'achat du dinar a beaucoup baissé. Et aujourd'hui, 10 dinars, ça ne représente rien. Donc, en valeur nominale, le dinar, c'est 10 dinars. Mais ça ne représente pas une contrepartie dans la production, dans un pouvoir d'achat réel. Mmh. Et donc, le dinar s'est érodé en termes de pouvoir d'achat. Et on multiplie les dinars par 10, ça ne représente pas beaucoup. Troisième facteur, et c'est ça, je pense, là où on doit travailler sur la c'est que, à coup de subvention, vous l'avez tout à l'heure, l'agriculture s'est développée, on dit que c'est développé. Moi, je demande à vérifier. En quantité de production, oui, grâce à des subventions. Mais est-ce que la productivité a augmenté? Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr que la productivité... C'est ça qui va rester, c'est la productivité. Mais si on a subventionné rien que pour le producteur, augmente la production, mais une fois qu'on arrête la subvention, on revient à la case départ, ça veut dire qu'on a jeté l'argent par la fenêtre. Ça veut dire que l'évolution n'est pas structurelle, l'évolution est juste conjoncturelle. Absolument. Et là, la productivité, dans le monde rural, dans le monde agricole, n'a pas beaucoup augmenté ou souvent n'a pas augmenté du tout. Et donc, dès qu'il y a l'arrêt des subventions, on revient à la case départ, à des rendements très faibles, etc. Et là, je pense que c'est la vraie question. Aujourd'hui, je pense, dans les pays développés, on subventionne la productivité, on ne subventionne pas la production. Augmenter la productivité, moderniser... En amont plutôt qu'en aval. Absolument. Moderniser vos installations, par exemple, je peux vous subventionner parce qu'en aval, on va trouver de la qualité du produit, par exemple. Mais je ne subventionne pas tout azimut un produit. Et là, ça crée des distorsions sur le marché, ça fait des hauts et des bas, parce que là, aujourd'hui encore, la productivité demeure faible, aussi bien dans l'agriculture que dans l'industrie. Parce qu'on n'a pas parlé depuis tout à l'heure sur les produits industriels. Il y a également des produits transformés. Absolument, qui connaissent aussi une augmentation. Parce que nous avons une productivité du capital et du travail relativement basse. Et là, l'investissement n'est pas suffisant jusqu'à présent dans les entreprises sur la productivité. On a fait des investissements pour les capacités, mais on n'a pas modernisé les process, etc. C'est risqué parce que la productivité, ça demande du temps. Pour investir sur la productivité. Oui. Et c'est la seule solution, c'est augmenter la productivité. Oui. Sinon, toute augmentation de salaire qui n'est pas portée par une augmentation de la productivité est inflationniste. Est inflationniste. Justement, les augmentations de salaire, vous anticipez. Nous avons des salaires nominaux, on ne peut pas dire des salaires, nous avons des revenus nominaux en dinars qui augmentent. C'est un pouvoir d'achat, mais parallèlement, la productivité n'a pas augmenté. Et c'est inflationniste aussi. Avant de parler des salaires, justement, le système des prix en Algérie sont fixés par rapport à l'offre et la demande. À chaque fois qu'on remarque la disponibilité d'un produit, les prix soit sont baissés, soit sont équilibrés. À chaque fois que le produit se fait rare, Il est automatiquement augmenté de 10 dinars ou plus. Ou plus. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a parlé des gens qui travaillent, c'est-à-dire des lobbies qui essaient de réguler le marché à leur manière par rapport à la disponibilité du produit. On n'arrive pas d'abord à protéger le dinar. On n'arrive pas, jusqu'à présent, l'Algérie n'arrive pas à protéger le... Mais vous êtes d'accord, vous faites certainement tous le marché tel que je le fais aussi, et depuis le début de cette année, c'est sur la bouche de tous les commerçants. L'année 2016, tout va augmenter. C'est devenu une phrase à la mode, et peut-être une phrase qui accompagne aussi à une réalité économique, la réalité d'une crise. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle les commerçants se sont entendus? 2016, tout va augmenter. Peut-être les prix, les tarifs de l'énergie, vous en parlez tout à l'heure. Moi, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la faute du petit commerçant, c'est-à-dire c'est pas la faute du détaillant. Il faut voir ailleurs
Non, mais est-ce que 2016 et particulièrement cette année, il a été décidé que tout allait augmenter finalement, c'est ça? Non, cette année 2016, il ne faut pas oublier, il y a d'abord la dévaluation du dinar qui est de presque entre 15 et 20%, il y a l'augmentation du gasoil et de l'essence qui a l'impact direct. Et de l'électricité aussi. Bien sûr, de l'électricité. La dévaluation du dinar qui a engendré l'augmentation de tous les produits importés. L'augmentation du gasoil et du lubrifiant de l'électricité touche directement le producteur, soit l'agriculteur, soit le producteur, soit le commerçant. Tous les moyens de la chaîne. Tous les moyens. Ce qui est quand même étonnant, je suis d'accord avec vous, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'ils n'ont pas attendu que la facture d'énergie, d'électricité, je rappelle, puisque Sonelgaz a décidé de ne pas faire payer l'augmentation des tarifs d'électricité en janvier. Ils ont décidé de le faire à partir du mois d'avril. Et bon, les commerçants, ils n'ont pas attendu. Ils ont commencé. Sonelgaz, elle a augmenté la TVA, elle a augmenté les taxes en février. La facture du février, tout le monde a senti l'augmentation. Et je ne suis pas d'accord avec moi. A senti l'augmentation, mais c'est pas uniquement l'augmentation du gasoil ou bien d'électricité. Moi, j'ai dit tout à l'heure, il faut déroger ces lobbies qui essaient de réguler le marché à leur manière. Oui, mais les commerçants. On n'arrive pas à maîtriser ni la quantité de la production locale qu'on produit. On n'arrive pas à maîtriser la distribution même de la production nationale. C'est la même chose. Le problème se passe en amont. Mais je ne suis pas d'accord avec M. Bouchard, parce que les commerçants aussi sont affolés. Ils ont profité de cette irrégularité dans la distribution. Il y a eu quand même des augmentations qui sont dues à certains commerçants qui ont profité. Ils vous disent que le producteur ou l'importateur a augmenté, le grossiste a augmenté, moi aussi j'augmente. Il augmente en Algérie, comme l'avait dit, c'est pas 2, 3 dinars, c'est 10, 15, 50, 100 dinars, 60 produits. Et malheureusement, il y a un phénomène en Algérie, on est là, on est en face, c'est la disparité des revenus. Il y a des salaires de 15 000 dinars, il y a des salaires de 700 000, 800 000 dinars. Ouais. Donc c'est pour cela que les 10 dinars, la pièce de 10 dinars maintenant, je ne peux pas dire ce mot, elle ne vaut rien parce que c'est notre dinar. Pour les classes moyennes malheureusement, il y a ceux qui touchent 600, 500 000 dinars. L'augmentation, elle ne la ressent pas, mais vient après celui qui touche 15 000 dinars, qui compte ses sous au dinar près, il la ressent. Mais nous, on est là justement pour tout ce monde-là, et on dit que les commerçants n'ont pas joué le jeu, ils sont affolés en début d'année, ils ont augmenté rapidement, tout de suite, sans trop réfléchir, sans trop faire Le petit commerçant et les grandes surfaces, presque c'est le même prix, pratique le même prix. Oui, mais les grandes surfaces aussi, ils sont aussi touchés par ce phénomène. Aussi, ils ont profité. Je dirais que, on avait bien dit, le manque de concurrence fait que tout le monde fait ce qu'il veut. Le manque de marché, voilà, l'informel, des domaines, des surfaces qu'on ne peut pas contrôler, font que le consommateur il est soumis au diktat, il s'arrête en bord de route, il achète, il n'y a pas d'affichage de prix, on prononce le prix qu'on veut sur le visage, sur la voiture, sur ce qu'on veut, Tu as dit aussi qu'on a augmenté l'électricité, donc je vais vendre mon service. Les transporteurs, est-ce que ce qu'ils ont augmenté dans le transport est équivalent à l'augmentation dans le carburant? Pas du tout. Le transporteur, il a augmenté de 10%. Le 10%, c'est, on prend l'exemple de transport urbain qui est beaucoup utilisé par les citoyens, même pas de dinar. Même pas du dinar par rapport à l'augmentation du gasoil, par rapport à la pièce de rechange, par rapport à la dévaluation du dinar. De dinar. Il n'y a pas une augmentation de moins de 10 dinars. Ça, c'est le petit transport. Maintenant, sur les grands trajets, il y a plus de 50, 100 dinars. Oui. Alors, est-ce que 100 dinars dans un bus qui prend 50 voyageurs, est-ce que ça équivaut l'augmentation du carburant dans le bus? Il faut voir l'augmentation du long trajet. Le long trajet, plus de 200, 300 km.
la consommation du gasoil, il est plus important que le bus qui travaille à... Là, mais moi, on parle d'augmentation. Mais 2015-2016, l'augmentation, ce n'est pas uniquement du gasoil. Il y a les lubrifiants, il y a la pièce de rechange, oui. Il y a le pneumatique. Oui, ça se calcule tout ça. Le bus lui-même, il a augmenté plus de 30 à 40% par rapport à la dévaluation de toute manière, nous, on a calculé tout ça, on a trouvé que ce n'était pas équivalent. C'était déséquilibré, donc les gens ont profité. C'est un domaine qui maîtrise très très bien. Si on calcule, vous maîtrisez en tant que commerçant, mais en tant que consommateur. Si on calcule le prix de revient du ticket de transport en Algérie, il va être augmenté plus de 20-30%. Ne le dites pas comme ça, l'antenne. Ça va faire mal à l'Algérie. Hein, parce que le transport, vous savez, on peut s'en passer. Est-ce qu'aujourd'hui, justement. Pourquoi le législateur, il a prévu la subvention du transport Parce qu'on ne peut pas se passer du transport. Parce qu'on ne peut pas appliquer le prérail du ticket pour le citoyen. Mais c'est quand même malvenu que de défendre les transporteurs lorsqu'on sait qu'ils n'investissent pratiquement rien dans la qualité des transports. Et on a vu sur les routes le nombre d'accidents. Les véhicules de transport ne sont pas rénovés, ne sont pas en bon état, souvent ne sont pas aussi dans un circuit formel aussi. Alors, mais par contre, pour augmenter le ticket, ils sont les premiers à se prononcer. Moi, je voudrais poser juste une autre question, justement, pour aller dans le sens de votre débat. Aujourd'hui, si on envisage une augmentation des prix des produits et des services, est-ce que les salaires, à quel point les salaires vont être érodés? On va parler d'ici à la fin de l'année 2016, puisqu'on a énormément d'appréhension par rapport à cette année. Et surtout, est-ce que les augmentations qui ont été consenties par les pouvoirs publics il y a de cela peu sont toujours de mise? Oui, effectivement, la question c'est celle-là. Les augmentations de salaire dans le secteur public qui ont été suivies après par le secteur privé depuis 2008. Donc on a augmenté de façon nominale le pouvoir d'achat à travers les salaires, mais il n'y a pas que les salaires, mais grâce aux salaires, d'autres revenus vont augmenter, les commerçants, etc. Les effets interviennent aujourd'hui, c'est-à-dire on a un pouvoir d'achat sur les 5 dernières années, les prix étaient plus ou moins maîtrisés, parce que le dinar était figé, les importations n'augmentaient pas beaucoup en termes monétaires. Et aujourd'hui, avec la baisse ou la régulation des importations, la réduction des importations, on a encore sur le marché algérien un pouvoir d'achat qui est le résultat de ces augmentations de salaire. Et malgré la dépréciation, je ne vais pas dire dévaluation, parce que malgré la dépréciation de la valeur du dinar. Non, le pouvoir d'achat, il est nominal. Il est encore nominal. Qu'est-ce que vous entendez par nominal pour le commun des mortels? Oui, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire exprimé en monnaie. La masse de monnaie que doit posséder quelqu'un. Très bien. Il devient un pouvoir d'achat réel, c'est-à-dire la capacité de ce pouvoir d'achat nominal à acquérir des biens et des services. Là, ça commence à baisser, effectivement. Mais le marché ou la demande solvable existe en Algérie. Elle est encore importante. C'est l'effet des augmentations de revenus dans les années au cours des années. Donc les effets sont toujours effectifs aujourd'hui. Toujours là, absolument. Comment ça s'atténue aujourd'hui? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mais parallèlement à cette augmentation de salaire dans les administrations, principalement, dans les services publics, dans les entreprises publiques, essentiellement, dans la fonction publique, principalement, elle n'a pas été compensée par une productivité dans l'économie nationale. Elle a été financée par le Trésor. Et parallèlement, la production n'a pas augmenté. Il y a beaucoup de dinars et la production n'a pas augmenté. Ben, c'est normal qu'il y ait une augmentation des produits sur le marché. Il y a un essoufflement des salaires. En gros, c'est ça. Pas encore, jusque-là, non. Mais là aussi, on se fait rien, c'est que quand on a augmenté les salaires, c'était des pourcentages pour tout le monde. Quelqu'un qui touchait 300, 400 000 dinars, 10% de plus, ça fait 40 000 dinars. Mais celui qui touchait 15 000 dinars, 10%, ça fait 1 500 dinars. Donc l'augmentation, elle est bénéfique beaucoup plus pour ceux qui sont au sommet, mais pas pour le commun des citoyens algériens. Donc c'est des augmentations qu'on n'a pas vu vraiment, qui n'ont pas apporté. Vous voulez dire que c'est pas des augmentations ciblées par rapport aux couches Parce qu'il ne faudrait pas seulement augmenter les salaires, il faudrait les régler, les réguler, équilibrer, et puis donner à chacun la valeur du travail. Oui, mais on a augmenté le SNMG, monsieur. Oui, mais SNMG qui a... Et qui donc ne concerne que les faibles salaires. Il est toujours à 18 000 dinars. Oui. Alors, il y a des salaires qui sont... Il y a des salaires qui sont à 30 fois le SMIC. Il y a des gens, la plupart des Algériens touchent une fois ou une fois et demie le SMIC. Il y a toujours des salaires entre 25 et 20, 30 000 dinars. Mm-hmm. Alors là, est-ce que réellement on a arrangé le consommateur algérien pour bien consommer? Donc, est-ce qu'il est assez bien payé pour qu'il consomme bien? Parce que s'il ne consomme pas bien, il nuit à sa santé, il nuit à l'économie nationale. Parce que si on ne consomme pas,
le commerçant ne vend pas, le producteur ne produit pas, on ne sera pas productif. Mm-hmm. Donc c'est là où il faudrait revoir. Nous, à la Fédération des consommateurs, on a organisé un workshop. Malheureusement, monsieur n'était pas avec nous, que je ne connaissais pas. Et on est sorti avec des détails, avec des petits résultats, avec des résultats comme ça, mm-hmm. avec des conclusions. D'abord, il faudrait revoir cette politique des salaires. Il faudrait revoir aussi la politique des subventions. Hein, on subventionne le pain à 8 dinars. Celui qui touche 15 000 dinars achète à 8 dinars. Celui qui touche 500 000 dinars achète à 8 dinars. Mm-hmm. L'Algérien, il achète à 8 dinars. Alors, 10 dinars, hein, pour être très clair, c'est à 10 dinars. Et l'étranger qui travaille dans le pétrole et qui touche 15 000 dollars par mois, elle achète aussi à 10 dinars. Donc là, le problème, il est là, il est facile à régler. Donc il faudrait donner ce qu'il faut. Facile, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Réorienter les subventions, on en parle depuis longtemps, mais bon, oui, ça, c'est jusque ça, là, on a des grandes compétences, on en a parlé, il y a des solutions, il faudrait qu'ils soient écoutés seulement. C'est oui, ça a été une question qui a été abordée depuis 2 ans, avant la crise des recettes des hydrocarbures. Mm-hmm. La question a été posée pour une raison d'équité aussi, d'équité, de justice sociale. Effectivement, pourquoi subventionner le pain acheté par des gens qui ont 40 000 ou 50 000 dinars par mois. Mm-hmm. Le problème a été posé. Et idem pour les carburants qui finalement ont été augmentés pour tout le monde. Même pour les carburants, on s'attendait à ce que l'augmentation soit... Non, on ne peut pas faire des cartes. Non, ça, je suis contre cette démarche de rationnement. Les carburants doivent augmenter pour tout le monde. Ouais. Parce que là, on abuse. On laisse tourner des moteurs toute la journée pour utiliser le climatiseur. Mmh. Ça, c'est un gaspillage d'une énergie rare qui va disparaître dans 10-15 ans. Là, je pense que le carburant, c'est subventionné pour les transporteurs. On ne subventionne pas pour les transporteurs. On ne avec l'augmentation des les transporteurs doivent signer avec les pouvoirs publics des conventions de service public. Et on limite le tarif et la qualité de service. À ce moment-là, on peut les subventionner directement, voilà. Mais pas sur le carburant. À ce sujet, on a fait une bonne proposition au ministère de l'énergie. C'est qu'on garde le mazout pour les transporteurs, pour les travaux publics, pour l'agriculture, au prix qui était à 13,70. C'est difficile à gérer. Non, c'est pas difficile parce que ça existe en Tunisie, ça existe au Maroc, ça existe partout. Il y a un mazout normal et un mazout super. Donc je ne sais pas pourquoi dans la station, moi je mets le mazout dans ma voiture avec injection comme on a direct et tout, avec toute la technologie, et c'est le même mazout qu'on met dans le tracteur Dots ou Sirta. Donc c'est pas évident, c'est pas normal. Donc pourquoi on a pas laissé le trafic, ce tracteur, cette agriculture, ce camionneur va revendre son mais non, mais non, c'est de qualité différente. Il y a une qualité différente. Pourquoi les voitures importées en Algérie? Monsieur, justement, il nous reste encore quelques minutes. Les combustion ont tous évolué. Et ça se fait au Maroc, en Tunisie, en France, en Espagne, partout. Il y a un mazout qui est raffiné. On le faisait en Algérie, mais aujourd'hui, la qualité des mazouts, il y a un problème d'environnement. On ne peut pas remettre. Oui, mais on n'est pas seul au monde, monsieur le professeur. C'est-à-dire, dans le monde entier, maintenant, il y a un mazout qui est raffiné, qui coûte plus cher que le mazout qui n'est pas raffiné, qu'on utilise pour l'agriculture, travaux publics et transports. Les voitures, je me demande comment une voiture de 10 millions de dinars met le même mazout qu'un camion en berlier sur les années 70. On a beaucoup évolué, puis là, le problème. Notre mazout, on l'importe, c'est ça le problème parce que nous avons. On importe de qualité. Vous disiez à l'instant que les agriculteurs seraient susceptibles de revendre si le gasoil aurait été attribué sur un prix subventionné. Justement, la question est la dernière question, malheureusement, puisqu'on arrive quasiment au terme de l'émission. C'est ça, c'est les risques et les difficultés. À quel point l'État peut-il appliquer une subvention ciblée? Non pas des carburants d'énergie, mais de manière générale. On parle de la poudre de lait, du blé. Une économie de marché, tout doit être libre, sauf les prix du service public. Par exemple, pour les transports, l'État doit intervenir pour les fixer. Et en contrepartie de la fixation des prix du service public, doit subventionner le secteur directement et non pas le carburant. C'est de l'argent qu'il peut donner directement pour la contrepartie éventuellement. Il faut calculer le coût de production de ce service. Mm-hmm. Pour les transports urbains, pour le tas de... Pour les produits alimentaires, ça doit être libre. On subventionne les personnes. Or, le problème pour subventionner, donner de l'argent, c'est de l'argent. Il faut faire des transferts d'argent en complément de salaire. Le problème qui se pose aujourd'hui, nous n'avons pas un système d'information en Algérie. Mm-hmm. Nous ne disposons pas de fichiers de gens
qui sont dans le besoin. Si vous ouvrez la liste, parce que l'informatique. Mais la NAS a une idée sur les différentes couches. Elle a bien recensé les différentes couches. Des masses. La couche moyenne est identifiée. On a besoin de nom et prénom. Des listings, madame. Pour transférer de l'argent, on a besoin de nom et prénom. Aujourd'hui, l'informel a tout dénaturé. Il vient s'inscrire sur une liste d'indigence, comme on les appelle. Il déclare qu'il n'a pas de fiche de paye, il ne travaille pas, il est multimilliardaire. Et comment faire avec ces gens? Donc l'économie informelle a dénaturé le système économique algérien. Elle a créé... Il y a une opacité, on ne sait pas qui... On ne sait pas, le système d'information algérien est des plus archaïques dans le monde. On n'arrive pas à saisir... Aujourd'hui, on calcule l'inflation avec une méthode des années 60 et 70. Les calculs sont faux, ne reflètent pas la réalité. Le panier de la ménagère, comme on l'appelle par les statisticiens pour le calcul de le taux d'inflation, n'est pas le bon. Le panier de la ménagère a beaucoup évolué en Algérie. Donc, il devrait être plus pertinent et aussi les différents types de pouvoir d'achat. On enquête sur l'enquête consommation, on fait des enquêtes sur Alger. Alger n'est pas l'Algérie. Merci. Donc il y a beaucoup de biais dans les chiffres. Les chiffres de l'ONS ne sont pas fiables. L'ONS est dans une situation vraiment sérieuse. Le système qui est resté figé sur des méthodes anciennes. Et le gouvernement, l'exécutif, ne peut avoir une politique de subvention directe que s'il a ce système d'information pour ne pas se tromper encore une fois, parce qu'on risque de transférer le jour on ne voudra pas le faire. Le jour on ne voudra pas le jour on ne voudra pas le faire. C'est pour ça qu'on est là. J'espère que tout le mouvement associatif, vous, les universitaires, toutes les associations, qu'on aide un petit peu ces autorités à la décision. Parce qu'il faudrait, on est en 2016, 2017, 2018, risque d'être encore plus très très difficile. Plus difficile. Donc c'est pour ça qu'on est très inquiété. C'est pour ça qu'on essaie de s'organiser avec tout le monde pour faire changer ça. Il faudrait que maintenant les décisions viennent d'en bas. C'est nous tous, on doit proposer, on doit pousser les pouvoirs publics à changer de cap et à aller vers d'abord l'équilibrage des salaires, revoir le système de subvention à la spécialiste. Vous préconisez un rééquilibrage dans vos propositions. Rééquilibrage des salaires. C'est-à-dire ? Donc il faudrait cibler, c'est-à-dire il faudrait d'abord assurer un salaire minimum qui puisse permettre à un individu de faire vivre une famille de 5 personnes. Vous parlez des faibles salaires. Des faibles salaires, oui, bien sûr. Là, on doit travailler sur les faibles salaires parce qu'il y a une disparité. Mais qui ne sont pas répertoriés, on dit tout à l'heure. Oui, bon, quand on voudra le faire, on le fera. Un fichier pour 40 millions d'Algériens, donc c'est à peu près 10 millions de familles, donc c'est pas difficile à faire pour un État comme l'Algérie. Mmh. On a des organismes, on a des ministères, on a une administration. Mmh. Quand on voudra le faire, on le fait. Mais on doit revoir. Parce que, entre parenthèses, je dirais que beaucoup d'étrangers maintenant veulent délocaliser leur industrie en Algérie parce que le carburant n'est pas cher, l'électricité n'est pas chère, la main-d'œuvre n'est pas chère, le pain n'est pas cher, le lait n'est pas cher, et reprendre leurs produits pour les revendre ailleurs. Donc ça, c'est anormal. C'est anormal. Mmh. Il faudrait qu'on, maintenant, aussi, on doit relancer l'industrie en Algérie, pas la relancer, mais la lancer, parce qu'elle n'est pas lancée du tout. Mmh. On doit faciliter l'acte d'investir. Il y a 42 parcs industriels qui doivent devenir du réel, qu'on doit les voir. Aucun parc industriel n'est aménagé. Ça, c'est très grave. On est en 2016, de 2010, 6 ans n'ont pas suffi aux organismes pour les aménager, pour draguer, pour attirer les investisseurs. Donc si on n'a pas d'investisseurs, si on n'a pas d'usines, si on n'a pas de production, on va toujours importer. Non, c'est insuffisant. Le secteur industriel, c'est tout un autre débat. Merci beaucoup. On doit aussi encourager l'exportation. Parmi nous. Désolé, le temps que vous avez imparti est terminé. Beaucoup à dire, et le secteur industriel est tout un sujet qu'on essaiera d'aborder et vous convier au débat une prochaine fois. Merci d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fédération algérienne des consommateurs, Monsieur Boussait Abdelkader, secrétaire national chargé d'administration au niveau de l'Union générale des commerçants et artisans algériens, et Monsieur Mohamed Cherif Benmihoub, professeur en économie. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et d'avoir éclairé nos téléspectateurs sur la question du pouvoir d'achat et d'augmentation de prix. Pour ceux qui ont pris ce débat en cours de chemin, vous pouvez revoir la rediffusion demain à partir de 11h et également sur le site de l'ENTV, www.entv.dz, sur la chaîne Canal Algérie. Merci d'avoir été de nous avoir suivis jusqu'au bout et on se retrouve mardi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir. I'm going to go to the hospital.